Maintenant, tu vas me rendre la montre, tu vas me passer ta veste et même les écouteurs là. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Juste avant que cette vidéo commence, je voulais vous dire que mon tout dernier clip Révolution était enfin disponible sur ma chaîne Mikalash Music. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description. Merci à tous ceux qui viendront donner de la force et laisser des likes. Gros big up à vous comme d'habitude, je vous renvoie toute cette force et vraiment merci sincèrement à tous ceux qui me soutiennent dans mes projets. Voilà, au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Mikalash Music. On est en route vers les 50 000 abonnés. Franchement, je sais qu'avec votre force et votre soutien, c'est largement réalisable. Je mettrai le lien en description. Big up. Ma haine se propage comme leur gilet. Hey, je vois rouge et je mets jaune sur mon survêt. Ouh, Marie, Antoine. Fais la vaisselle pendant que Madame Macron la renouvelle. Profite de respirer, la taxe n'est pas passée. Ce qui nous fera perdurer, c'est sûrement nous révolter. La révolution est en marche et il va falloir s'y faire. Hey, si la France est peinée, c'est qu'elle est célibataire. Salut tout le monde, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où j'ai tout simplement piégé cette fois-ci un voleur sur le bon coin. Alors, je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est qu'un abonné m'a contacté me disant s'être fait racketter et voler sa montre par un inconnu. Donc voilà, il savait déjà que je faisais ce genre de vidéo et il s'est avéré qu'en fait, il était aussi de ma région. Et en fait, il m'a tout simplement prouvé et montré que après s'être fait racketter sa montre, il avait retrouvé sur le bon coin. Donc en gros, ce fameux escroc l'a racketté. Et ensuite, il a revendu sa montre sur le bon coin dans le plus grand des calmes. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout simplement le rendez-vous. On a contacté cette personne, on est allé à sa rencontre et on l'a piégé. Là, je pense qu'il est inutile d'en dire plus. Je pense que la vidéo parlera d'elle-même. Juste comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes. Comme vous le savez, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus, si c'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les futures vidéos et aussi de partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. C'est Mikalash, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Oh! Moi tu cries. Moi tu cries. C'est l'heure pour la montre. Ça va gros? Ouais, ça va tranquille. Tranquille. Ah, arrête de crier comme ça. T'es un mec chaud toi ou pas gros? Comment ça je suis un mec chaud? T'es une racaille un peu ou quoi? T'es une racaille ou pas frère? Comment ça racaille? Toi t'es une racaille non? Qu'est-ce que tu racontes? Non? Vas-y, moi c'est l'heure pour la montre là. Ouais, la montre Diesel. Ouais, Diesel, ouais. C'est Diesel ou Vin Diesel? C'est l'acteur, non? Il n'y a pas un acteur qui s'appelle comme ça? Eh, vas-y, regarde la montre. C'est la montre, ouais, là, c'est un peu pressé. Ça va, tranquille, ouais. Ah! Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ne fais plus ça. C'est quoi, tu t'achètes la montre? Oh, fais plus ça, je te jure, là, je te casse les dents. C'est désolé, frère, c'est plus fort que moi. T'es un mongolien ou quoi? Mais non, quoi? Ne fais plus jamais ça. C'est bon, je fais plus ça. Et là, t'as vu, tu me tires le pull comme ça? C'est bon, désolé, frère. Y'a pas de frère, y'a pas de frère, on n'est pas frère. Cousin. Et on n'est pas cousin, y'a pas de cousin entre nous, y'a rien du tout. On est pas. T'es là, t'arrives là, tu me tires la ficelle comme ça là. Mais ta mère, elle s'appelle pas Caroline genre? Quoi, tu parles de ma mère? Oh non, non. Tu parles de ma mère? Mais non. Parce que si elle s'appelle Caroline, on est peut-être frère. Mais vas-y, on parle pas de mon pote Caroline, je sais pas quoi. T'es venu pour la montre ou pour faire connaissance? Je suis venu pour la montre, c'est bon. Là j'ai pas le temps, là je t'ai dit, là j'arrive, ça fait 30 minutes, je galère à trouver l'endroit. Tire encore une fois le fil, je te tire dessus. Ouais, je te tire dessus. Fais gaffe à toi, c'est comment ça, gros? Quoi, prends la montre, tu la veux là, t'as les sous sur toi là? Attends, je t'explique déjà, ça fait 30 minutes que je t'attends. Ah, quoi, t'es qui là? Tu vas quoi? Rien, on peut parler tranquille, gros. Comment ça, ça fait 30 minutes que t'attends? C'est moi qui cherche depuis 30 minutes. Bah là, je t'attends depuis 30 minutes, gros. Là, t'as vu, tu me tires ça, t'as pas honte de faire ça là? C'est bon, frérot, c'est bon. T'as pas honte de faire ça, c'est pas juste. Que ça. Vas-y, qu'est-ce que tu fais là? C'est bon, c'est bon. Calme-toi. C'est bon, recule. Quoi, 300 balles là, tu vas prendre direct là, t'as les sous sur toi? J'ai les sous sur moi. Non, mais frère, c'est moi qui veux acheter la montre. T'es sûr? Bah ouais. Je veux l'acheter. Non, moi je veux l'acheter la montre. Franchement, intéressante hein. On l'achète à deux, c'est quoi le bordel? Mais t'es qui toi? Non, rien, je marchais comme ça. Mais toi, mets-toi tes affaires toi. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Mets-toi tes affaires, je sais pas, t'es là, t'arrives comme ça. Toi, t'as l'argent ou pas?
Bah ouais, j'ai l'argent. Bah vas-y, passe mon argent et je me casse. En fait, j'étais en train de courir. J'ai entendu. Mais vas-y, autant courir, barre-toi. Cours. Pourquoi tu manques de respect comme ça? Je viens t'acheter ta montre en plus. Tu galères à la fin. T'as les sous, t'as pas les sous, tu mens. Rends-moi le doigt que tu m'as pris, s'il te plaît. Casse-toi. Je t'aime, gros. Je t'aime. C'est quoi ces gens là? Vas-y, je me barre. Non, c'est bon. Tu fais pas mon temps. Non, juste écoute-moi, s'il te plaît. On va repartir sur une bonne base. Quelle base? Y'a pas de base là. Okay. J'arrive comme ça, tu me tires le fil comme ça là. Frère. Tu vas faire quoi? C'est bon. On va repartir sur une bonne base. Oh, lui, je te jure, il arrive encore. Je vais lui éclater la tête. Je vais le rouler dessus. Oh, tu m'apprends la montre? Ouais. Prends-la moi là, maintenant. Allez là. Écoute-moi, gros. Montre-moi la montre, s'il te plaît. C'est bon? Regarde, je regarde. Tu m'apprends, hein. Ouais, prends-la moi et montre-moi les sous là. T'as les sous sur toi, non? Calme-toi, c'est bon, on repart sur le. Ouais, mais je suis vénère là, le mec, j'avais envie de tabasser. C'est bon, on repart sur le bâtiment. Il a de la chance, tu jures? Parce que si là, tu m'as dissuadé de le taper. Là. T'as la facture, genre? J'ai pas la facture. Comment ça se fait? Je sais pas, c'est un cousin à moi, il me l'a vendu, il m'a dit ouais, j'ai la facture, je te la ramène et tout, mais il l'a toujours pas ramené. Du coup, ouais, je te demandais, gros, t'as la facture ou quoi, genre? Ah, tu m'entends pas quand je te parle? Je dois me répéter combien de fois? Dis-moi, est-ce que t'as la facture de la montre? Je l'ai pas, tu viens d'entendre, non, je l'ai pas, la facture de la montre. La montre, je l'ai pas, la facture. Comment je sais que c'est une vraie, genre? C'est une vraie, tu vois très bien, là, c'est marqué diesel. Tu veux quoi de plus? Mais gros, cette montre, par hasard, genre. Quoi, par hasard? Tu voudrais pas voler, genre, par hasard? Comment ça, je veux sur un poignet, genre. Quoi, t'es en train de me dire que je suis un voleur là? T'es en train de me dire que moi je suis un voleur? Ouais. Moi je suis un voleur, non? Ah, c'est bon, calme-toi, frère. Bah, je sais pas, tu me prends pour un fou. Garde tes distances. Benoît. Garde tes distances, Benoît. Ta montre, je vais la prendre. Et je vais te passer les sous, c'est bon? Non, par contre, je vais passer les sous. Ouais, attends, je l'essaye et je te passe les sous. Hop, regarde. Oh, l'autre mec là, putain, j'avais envie de le démonter. Écoute, viens. Quoi? Ta montre, regarde. Tu la mets comme ça. Hop, comme ça là, tu vois. Ouais, là, ouais. Tranquille, frère. La montre, tu l'as volée, frère. Comment ça, je l'ai volée, la montre? Tu l'as volée, frère. Ouais. Tu vas me prendre ma montre et là tu vas me passer tout ce que t'as là. Comment ça? Tu vas me passer tout ce que t'as là. C'est bon en fait, dis-moi la vérité. Là regarde, là tu vas me la rendre. Tu vas me raqueter. Tu veux que je fasse un coup de fil là? Jérôme, je vais revenir, je vais t'exploser. J'ai trouvé dans le bus, je t'ai dit, mouvement de foule, j'ai trouvé par terre. Pas trouvé sur le poignet. Quelqu'un, genre? Mais y'a pas de poignet. Derrière Leclerc. Comment ça, derrière Leclerc? Derrière Leclerc. Quoi, t'étais là? Ah, j'étais là. Ouais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu l'as volé. Mais vas-y. T'as vu, je grille tout seul. Tu grilles tout seul, moi. Vas-y, mais qu'est-ce que tu racontes? Grillé. Bref. Maintenant, tu vas me rendre la montre
tu vas me passer ta veste et même les écouteurs là. Quoi tu rigoles? Quoi tu rigoles? T'es un comique toi. Quoi tu rigoles? T'es un comique. Quoi tu rigoles? T'es un comique. Quoi tu t'enchaînes, me touche pas, me touche pas. Ma haine se propage comme leur gilet. Hey, je vois rouge et je mets jaune sur mon survêt. Ouh, Marie-Antoinette fait la vaisselle pendant que Madame Macron la renouvelle. Profite de respirer, la taxe n'est pas passée. Ce qui nous fera perdurer, c'est sûrement de nous révolter. La révolution est en marche et il va falloir s'y faire. Hey, si la France est peinée, c'est qu'elle est célibataire.